cet instant-là présent dans le moment où tout se joue n'est pas chose facile, parce que nous avons chacun d'entre nous le conditionnement de nos vies, c'est-à-dire nos expériences. Nous en faisons faire des conclusions, et ces conclusions, on les garde comme si c'était quelque chose de très important. On s'attache à ça, à ces conclusions-là, parce qu'elles nous rassurent sur la vie qui doit être vécue. Elles nous rassurent du réconfort qu'il y a dedans. Et quand on a la vie qui vient, qui surgit comme ça, ben, on n'est plus confronté à quelque chose qui nous fait peur, puisqu'on a des références. Donc, on regarde plutôt les références, on se cache de l'inconnu, on vit à travers les expériences du passé, c'est-à-dire nos conclusions. Et ça, c'est rassurant. Mais tu es pas vrai, tu es faux, parce que ce que tu es à ce moment-là n'est pas vivant. La vivacité, la vie, ne se joue que dans l'instant où tout se joue. D'instant en instant, la vie montre sa vigueur. Tout ce qui arrive est dans l'instant où tout se passe. Il n'y a rien qui arrivera ou qui est déjà arrivé. La vie, c'est pas ça. La vie, elle arrive tout le temps. Elle est là. Et comme elle est là, elle n'a pas de commencement et elle n'a pas de fin. Elle n'est pas dans le monde du temps. Le temps que nous, on a fabriqué dans notre vécu, c'est l'histoire de la vie que l'on a, toute l'histoire que l'on a vécue. Mon enfance, les filles que j'ai connues, mes parents, les situations dans lesquelles j'étais, les peurs, les angoisses, tout ça, c'est du vécu qui m'a donné une connaissance que j'ai amassée dans le parcours de mon existence. Cette connaissance, je m'attache. Et je fais de cette connaissance une entité, ce que je suis. Je m'appelle moi, je sais, j'ai fait ça, j'ai ça. Et ça, c'est l'histoire, c'est la mémoire, ce moi-là, c'est la mémoire de tout ce qui s'est passé, enregistré. Et on le réitère dans les instants présents, dans les instants où les situations arrivent. Donc on cherche dans la mémoire, dans cette mémoire, des choses qui ont été vécues. On cherche la solution. Et on réagit avec toute cette mémoire. Et on ne réagit pas. On ne réagit pas avec la vie qui existe à ce moment-là. On réagit avec la mémoire de la vie qui a eu lieu avant. C'est-à-dire mon passé que j'ai amassé, que je me suis gardé de m'attacher avec et que j'appelle ça moi. Donc c'est moi, il veut exister en tant que passé, en tant que celui qui connaît, en tant que celui qui a fait les expériences. Mais il n'existe pas, puisque c'est fini. C'est que la mémoire qui existe. C'est une mémoire qui sort du passé, qui vient dans le présent, qu'on concocte, on l'améliore, et on l'envoie dans le futur. Le futur qui est notre espoir d'être bien. Donc on espère qu'avec tout ce qu'on a concocté, que des choses seront mieux. Mais ça, ça appartient à l'entité qui s'appelle moi. C'est le passé qui continue et qui devient le futur.
Mais ce que tu es, la vie qui existe, n'a rien à voir avec tout ça. La vie, c'est du vivant. C'est quelque chose de direct, de pur, de terriblement sincère, qui se passe là, où il n'y a pas de mémoire dedans, il n'y a pas hier dedans, ni demain. Tout arrive. Que tu aimes ou pas, agréable ou pas, tout arrive, tout est là. Et là, moi dit, ça j'aime et ça j'aime pas. Donc il trie. Il trie dans ce qui arrive pour le mettre à son goût. Donc il contrôle, il arrange. C'est ce qu'on fait tous, non? On contrôle. On voudrait la vie qui soit à notre goût. On voudrait vivre quelque chose qui nous tire, qui nous sort de notre monotonie, de notre carcan, où tout se répète de la même manière. Mais à faire ça, ça veut dire que tu es occupé. C'est-à-dire que ta tête, elle est vraiment occupée. Parce que tu es occupé avec ce qui doit être, ce qui devrait y avoir. Tu es occupé avec ça. Donc tu ne vis pas, il n'y a pas l'instant vivant là. Il y a juste tout un amas de désirs, de concoctions, d'envies, un vouloir, une attente, une frustration pour faire arriver tout ce que tu aimerais. Et ce que tu aimerais, ce ne sont ni plus ni moins que l'envie de ne pas abandonner ce que tu sais. Donc tout ce que tu sais devient un désir que tu devrais faire naître encore dans un moment futur. Donc rien ne change. Là, on ne parle pas d'un monde stagnant où l'habitude et les trains-trains s'installent. Là, on parle d'un monde où tout se régénère d'instant en instant, où il n'y a pas le temps. Il n'y a pas hier, il n'y a pas demain. Tout est fluide, tout coule d'une seule source. Et cette source, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Elle est directe. Il n'y a pas, dans cette source, l'ombre du temps, l'ombre de mémoire, l'ombre du passé. Il n'y a pas. C'est tout simplement vivant. Tu sais, il est facile de voir comment on peut étudier la vie. La vie s'étudie de manière analytique. On prend quelque chose de vivant, on le dissecte. Et bien sûr, pour le disséquer, il faut qu'on tue la chose pour pouvoir voir comment ça fonctionne, le vivant. Au bout de moment, tu ne peux plus voir autre chose que ce qui est mort. Et quand c'est mort, ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe. Ce que je veux te dire là, c'est que la vie, ce n'est pas quelque chose qu'on analyse avec notre passé, avec les références qu'on a. La vie, c'est quelque chose qu'on vit. On ne peut pas cesser de vivre pour pouvoir comprendre la vie. La vie doit être comprise pendant qu'on la vit. Pendant qu'elle se meut, pendant qu'elle arrive. À ce moment, il faut être présent. Présent sur ce qui se passe. Et cette présence qui voit ce qui se passe, elle perçoit avec une grande intelligence ce qui se joue. Elle sait ce qui se joue. Elle n'est pas dans la fabulation. Elle n'est pas dans l'idéal.
Elle est dans les faits. Elle vit les faits qui se jouent. Et quand tu vis les faits comme ça, alors tu es d'une intelligence extraordinaire. Parce que tu ne te fais plus de films sur comment tu aimerais, puisque c'est pas vrai. Les films que tu te racontes sur la vie que tu aimerais n'est pas vrai. Alors que si tu n'es pas occupé à faire ça, tu es libre. Tu es libre. Quand tu n'es pas occupé, tu es libre de vivre la vie qui se meut. Vivre ainsi, ça veut dire laisser être ce qui se joue. Laissez être l'amour, laissez être la joie, laissez la paix être et ne pas s'encombrer de toutes sortes de pensées qui dictent comment la vie devrait être. Parce que la vie n'est pas quelque chose qui devrait être. La vie, c'est ce qui se joue, là, maintenant, entre deux êtres. Une communion où tout coule. Il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de friction entre ce qui fut et ce qui devra être. Il n'y a pas. Ce qui fut, c'est le passé, et ce qui est, c'est la vie. Donc, quand il n'y a pas de friction entre ces deux-là, alors tout coule, sans conflit. Sans qu'il y ait rivalité, sans que la pensée ne soit là. Parce que c'est la pensée qui crée la rivalité. La rivalité parce que les pensées sont divisées entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il y a juste ce qui est, pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ce qui est bien et pas bien, c'est l'histoire qu'on se raconte, c'est l'histoire que la pensée fausse la donne, puisque la pensée trouve les faits, les dissecte, et voit et dit ça c'est bien et ça c'est pas bien. À chaque fois que tu compares les choses de la vie, tu as tendance à te faire une préférence. Si tu compares le riche et le pauvre, tu as tendance à avoir une préférence. Si tu compares Miss Réunion et Miss Pas Réunion, tu auras une préférence. Et toutes ces préférences, ce sont les choses que la pensée aime, parce que la pensée existe à travers la valorisation qu'on leur donne. Donc, quand tu as de la valeur dans ce monde, tu existes en tant que moi, en tant que celui qui a comparé. Et il se donne une image, la plus belle bien sûr, pour être reconnu. Mais toute cette image, quand la vie coule, toute cette activité de moi n'a plus lieu. Donc ce moi-là, certainement, doit mourir, puisque c'est une éphémère, c'est une illusion, c'est une apparence qui n'existe pas. Et quand tu acceptes que ça, ça n'existe pas, alors tu peux abandonner l'illusion et être ce qui coule à jamais, qui n'a pas commencé et qui n'a pas de fin non plus. Tu es toujours vivant dans l'instant où tout se passe.